giving somebody a hug, like you giving somebody a few dollars. This is who you are every day now. That's why I say, I'm talking to a natural healer. You're not trying to be nothing. This is... Bonjour. Je mettrai ta photo en un tour Eiffel et je t'agrée par le jeu de la Arc de Triomphe. Marlène est un sambo gagné à la rencontre. La plus belle femme africaine. Des petites lèvres comme ça en surface, alors qu'ils t'attendent.
Bon, je n'ai pas fait la réunion sur Zoom parce que on atteint la limite. Mais il faut absolument que je remonte le nombre de participants. Donc je ferai ça en journée. Je dois augmenter le nombre de participants sur Zoom. J'ai un message très chaud aujourd'hui pour vous. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de jeûne. Et beaucoup, j'enlève toute mauvaise pensée, tout mauvais esprit, tout esprit de découragement. Voilà. Je demande au Saint-Esprit de pouvoir me donner les paroles appropriées. Je demande aussi que ma gorge s'ouvre pour que je parle. Je déclare qu'à travers mes paroles, vous allez être libérés. Je déclare aussi sur vous la lumière dans vos activités, la lumière dans votre mariage, la lumière dans tous les aspects de votre vie. Je remets le pouvoir sur votre langue. Qu'à travers mes paroles, vous soyez guéri. Qu'à travers mes paroles, votre restauration soit effective. Au nom de Jésus-Christ et au nom du Tout-Puissant. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de... Depuis quelques jours, tu ressens intensément l'envie en toi de croire que ce sera différent pour toi. Je vois quelqu'un que ça fait de toute ta vie, tu n'as jamais eu peut-être 1 million ou 2 millions dans ta main, que c'est pour toi, pas que c'est l'argent des graines. Et dans cette saison-ci, on t'a délivré, tu as été délivré totalement. Donc tu es en train de passer à une autre dimension financière. Il y a quelqu'un ici qu'avant, tu avais de la peine à réaliser certaines choses, à réaliser certains objectifs. Et tu avais toujours le syndrome de non-accomplissement. Donc, dès que tu es arrivé au bout, jusqu'à ton argent va tomber, ça disparaît. Donc, c'est terminé. On me dit, te dit que c'est terminé. Il faut que tu croies. Tu dois croire totalement que tu es dans ta saison. Tu dois croire totalement que tu es dans ta saison. Donc, il y a quelqu'un aussi qui avait su, tu avais aussi beaucoup peur. Tu étais genre, tu vivais dans un quartier, genre village, les quartiers un peu démunis là. Et il y a des sorciers autour de toi qui voient ton énergie à chaque fois. Tu ne sais pas que tu as déjà vaincu ces sorciers, mais l'environnement, en fait, te fatigue. Donc, tu vas sortir de cet environnement. Tu vas recevoir assez d'argent pour partir totalement. Même si tu as ta maison là-bas, tu vas seulement louer la maison là à quelqu'un d'autre et tu vas quitter ce quartier. Donc, je vois aussi quelqu'un que, en l'espace de 6 mois, ton revenu va être multiplié par 10. Et ce n'est pas de blague. Ce n'est pas de la blague. Donc, en l'espace de 6 mois, tu vas passer de 100 000 à 200 000, 200 000 à 300 000, 300 000 à 400 000, tac, et puis 400 000 à 800 000, et puis 800 000, 1,5 million. Donc, tu es en train de passer dans une saison exponentielle, une saison de multiplication exponentielle. Donc, c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mm-hmm. Monsieur Kate, je ne sais pas si j'ai déjà fini avec toi, parce qu'il faut que tu gères ça avec Monsieur Abbé Solo. Donc, il y a quelqu'un ici qui va passer dans une autre saison exponentielle. Et... il y a aussi quelqu'un ici que on est habitué à te voir toujours. Une saison, tu dis, ah, waouh, on voit comment, ah, 2 semaines plus tard, on me dit, te dit que tu es en train d'entrer dans une saison où les gens ne verront que ton derrière. Les gens ne verront que ton derrière.
Et quand ils vont voir ton derrière, ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. Tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui sont rejetés, ils vont regretter de t'avoir rejeté. Tous ceux qui ont abusé de... Bonjour Jojo. Tous ceux qui ont abusé de ta confiance. Je vois aussi que c'est là que tu étais... Tu vois, peut-être au boulot, on t'a beaucoup minimisé. Donc, quand tu es arrivé, peut-être qu'on te regarde, tu dis, ah, elle là, pardon. Parfois, c'est tes colocataires, parfois, c'est tes cochambriers, parfois, les gens de ton immeuble. Même ton concierge, je vois ici quelqu'un que ton concierge t'a minimisé. Donc, on est en train de me dire, c'est là que ça, c'est une saison dans laquelle ils vont regretter extrêmement. Écrivez ici, mes ennemis vont regretter. J'ai oublié ma cloche au bureau. Je crois que je vais déposer une cloche à la maison. Ça c'est le moment où je dois sonner la cloche là. Donc ça c'est vos ennemis vont regretter. Vos ennemis vont regretter intensément. Vraiment, ils vont regretter. Donc ces personnes qui se sont moquées de toi, ces personnes qui se sont moquées de toi là, ils vont regretter. Voilà. Voilà. Maintenant, on va encore faire l'autre. Écoutez. Je prononce le jugement sur vos ennemis. Il y a beaucoup de personnes dans ton quartier. On te voit passer, on dit, ah, la fille là. Ils vont te voir passer de piéton à quelqu'un qui a la voiture. Certaines personnes vont te voir. Chaque fois, tu leur disais tout. Après, on se moque même de toi. Quand tu passes au quartier, on dit, ah, ton projet là, tu avais fait comment de ça? Et tu sais qu'ils ne demandent pas par un bon cœur. Je déclare que toutes ces personnes vont regretter dans cette saison. Toutes ces personnes qui se sont moquées de toi. Allez, écris ici, mes ennemis vont regretter. Les gens, ils ne sonnent pas la poche comme moi, ils sonnent. Quand ils sonnent, ça va la vengeance. J'ai trouvé la vidéo sur YouTube. Je déclare la vengeance divine. Ça, c'est aussi une chose que tu vas comprendre. La vengeance divine est en train de tomber sur tes ennemis. Je sais que tu avais de la peine à croire. Dans la Bible, le Seigneur dit que je pourrais tuer l'Égypte pour toi. Donc, like, literally, God would kill people for you. Dieu pourrait tuer des gens pour toi. Et il y a quelqu'un ici, je sais que tu ne pensais pas. Il y a cela quelques jours, environ 2 semaines. Oui, j'ai eu des problèmes avec un de mes collaborateurs. Et la personne... m'a un peu pris genre tu exagères et tu vois quand tu es dans une situation avec quelqu'un tu sais que tu n'es pas injuste, tu sais, et la personne essaie de te faire croire que non c'est toi, c'est toujours comme ça, c'est toi. Et la personne est donc partie pendant 1 semaine, on n'a pas eu de contact. Donc, je revois la personne après, la personne a eu un accident, son téléphone s'est cassé, ses finances sont bloquées, tout ça en l'espace de 7 jours. Donc, on ne s'amuse pas avec un choisi. You don't mess up with your chosen one. Et vous devez commencer à accepter qui vous êtes. Allez, dites ceci. Je suis une choisie. Je suis une choisie. Je suis un choisi. Allez-y, allez-y. Répétez-le. Je suis choisi par le Seigneur. Je suis choisi par l'Éternel. Vous devez comprendre que vous avez une puissance en vous. Vous avez une puissance en vous. Et je sais qu'avant vous ne compreniez pas, mais il y a une protection angélique qui assure votre protection nuit et jour. Il y a des anges qui assurent votre protection nuit et jour. Je vois ici quelqu'un que tu as été dans un département, tu as travaillé là-bas depuis longtemps. Et normalement tu devais être promu depuis longtemps. Mais chaque fois, il y a des gens qui s'asseyent sur ton argent. Il y a des gens qui s'asseyent sur ta protection, ta promotion. Maintenant, tu dois savoir que ton moment est arrivé. Écris ici, mon moment est arrivé. Mon moment est arrivé. Mon moment est arrivé. Mon moment est arrivé. Allez-y. Mon moment est arrivé. 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 Allez, je sonne la cloche à nouveau. Mon moment est arrivé. Mon moment est arrivé. Ils ont joué avec toi. Ils se sont amusés avec toi.
Parce que tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de posé. Maintenant, tes guides te disent que le moment est arrivé pour toi. Ils sont fatigués d'attendre. Ils vont maintenant mettre le jugement et la vengeance sur toute personne qui s'attaque à toi. Ils vont mettre la vengeance et le jugement sur toute personne qui ose s'en prendre à toi. Donc, ils vont tous regretter les personnes qui t'ont fait du mal. Ils vont tous regretter les personnes qui ont volé ce qui t'appartient. Je vois ici une femme que tu as même perdu. Ton mari est parti carrément. Il est parti avec une autre femme ou bien il t'a trompé. Juste pour le fait qu'il t'a fait souffrir. Comme tu l'aimes, tu as intercédé pour lui après. Tu l'aimes, tu as dit, oh Seigneur, ne lui fais pas de mal. On me dit de te dire que tu dois arrêter d'intercéder pour cette personne. Arrête, parce qu'il va récolter ce qu'il a semé. Il va récolter ce qu'il a semé. Et là, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Je vois quelqu'un carrément qu'on va, on va terrasser les finances des personnes qui t'ont fait du mal. On va les mettre à terre. Et il me dit de te dire que tu ne dois pas t'excuser. En fait, parfois, quand tu vois une situation, tu dis, ah, tu es sûr que c'est à cause de toi. Maintenant, il faut que tu saches que c'est à cause de toi. Parce qu'avant, quand tu leur disais, c'est que, ah, non, non, ce n'est pas toi, c'est moi, c'est parce que j'étais, non, 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 non. Le jugement qui leur arrive, c'est à cause de toi. Donc, il faut que tu saches que tu es précieuse. Il faut que tu saches que tu es précieux. Il faut que tu saches qu'on ne peut pas s'amuser avec toi. Et Christian ne peut pas s'amuser. On ne blague pas avec moi. Quelqu'un, tu travailles pour quelqu'un, il prend ton argent. Il prend ton argent, il part avec. On le terrasse. On le terrasse. Maintenant, vous devez comprendre que vous marchez. Il y en a ici là que. Vous voyez le lion qui est derrière moi là. Hein? Vous voyez le lion qui est derrière moi. Je te vois carrément marcher dans la journée. Il y a un lion spirituel derrière toi. Un gros lion. Je sais que souvent tu crois, mais tu ne crois pas. Cette fois-ci, il faut que tu en sois consciente. Totalement, complètement. Le lion qui est avec toi. Et c'est aussi fort que. Peut-être, quelqu'un, je vois quelqu'un carrément. Tu marches un tassement, tu t'insultes. Il arrive devant, il conduit sa voiture. Un moto-taximan t'insulte, il arrive devant, il tombe. En fait, c'est comme ça. Donc, le jugement qu'il y a sur tes ennemis, ta puissance est en train de passer à un degré qu'on ne s'amuse plus avec toi. Quelqu'un ose te faire du mal, c'est du tic au tac. Quelqu'un ose te faire du mal, c'est du tic au tac. Maintenant, Genèse chapitre 12, la Bible dit, « Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. » Ça, c'est ce qui est en train de s'activer dans ta vie. Donc, ta puissance de bénédiction est en train d'augmenter. « Oh, rababa, shikata, rababa, chante. Les koto, rababa, chante. » Quand tu m'écoutes là, je sens l'onction qui est en train de monter en toi. Je sens l'onction qui est en train de monter en toi. Je sens l'onction qui est en train de monter en toi. Il faut que je cherche une bonne cloche. Je sens l'onction qui est en train de monter en toi. Je sens l'onction qui est en train de monter en toi. On va voir ce que ça donne. Voilà, assis votre cloche. Il ne sonne pas ça beaucoup. J'ai besoin d'une cloche. Je cherche la cloche. Il me faut une bonne cloche pour vous. Voilà. Votre saison est arrivée. On ne peut pas jouer avec vous. On ne joue pas avec vous. Dieu bénit ceux qui vous bénissent. Et il maudit ceux qui vous maudissent. Toute personne qui ose ouvrir la bouche, les forums familiales, ils parlent contre vous. Dans la journée, vous entendez, oh, oncle tel a fait l'accident. Oh, telle personne a encore chuté, sa tension a chuté. C'est parce qu'il a mal parlé de toi dans le forum. C'est parce qu'il est parti mal parler de toi dans la journée. Écoutez, vous devez être conscient maintenant. Prêtez attention. Vous allez commencer à faire les témoignages que, oh, je suis arrivé à tel endroit, on m'a insulté. Justement, je n'ai pas parlé, je suis sorti, je suis parti. Après, son endroit s'est brûlé. Le lendemain, il y a eu un incendie dans son magasin. Je dis que c'est le degré auquel vous êtes en train d'arriver maintenant. Maintenant, vous devez en être conscient. Vous devez en être conscient. Parce qu'avant, on a joué contre vous. On a joué avec vous. Tu peux pas quand même croire que c'est toi. Comment est-ce que toi, tu peux faire ça? N'est-ce pas, tu es la petite Jocelyne? Non. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, vous comprenez. Vous comprenez la saison dans laquelle vous êtes. Je sens quelqu'un que tu es en train de... Tu sens une activation sur ta gorge. Tu es en train d'être activé. Parce que tu es quelqu'un que quand tu vas te fâcher avec quelqu'un, tu vas seulement dire, dès que tu as seulement dit une parole contre la personne, ils vont prendre vraiment ça très lourdement. En même temps aussi, quand quelqu'un va te faire du bien, juste le fait que tu ouvres ta bouche, tu dis, ah maman, merci. Seulement le merci, là, ça donne une boule. Je vois comme une boule de bénédiction sur la personne. Je déclare aussi que tu ne perdras plus rien. Je vois quelqu'un que, avant tu perdais de l'argent, avant, maintenant, tout ce que tu demandes, tes clients vont te donner. Tu seulement, comme si tu dis 500 000. Après, tu dis, ok, je vais aller chez là, je vais te donner. Voilà. Allez, écrivez ici.
Votre saison est arrivée. 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 Donc, avant, tu tremblais. Quand tu arrivais devant les gens, j'ai ma fille qui est arrivée ici le week-end. En passant, ceux qui veulent souvent venir à Dola me visiter, venez. Je commence à recevoir les gens chez moi. Venez, vous venez me visiter. Vous passez une nuit ou deux nuits. OK. Le matin, on balaye la couche chez moi. Vous avez suivi, non? Je ne reçois pas les Decepticons chez moi. C'est ça que la reine Fausto va dire que yeah, je voulais venir. Voilà. En passant, on a commencé les ateliers de vacances. On a commencé hier. C'était super. Donc, on a déjà les enfants qui sont là. Je rappelle qu'il y a aussi une discipline. Hein. Ton enfant peut venir seulement faire le judo. Ton enfant peut venir seulement pour faire, je ne sais pas. Mais ton enfant peut venir faire une seule activité. OK? Donc, n'oubliez pas ça. L'enfant peut venir faire une seule discipline. Voilà. Donc, elle arrive et puis, deux jours plus tard, elle rentre. Hier, pendant ton trajet de retour, elle me dit qu'elle a beaucoup vomi. Donc, elle sentait comme si elle était délivrée de certaines choses. Et puis, elle arrive dans sa ville. Elle me dit donc qu'il y a un service qu'elle rend généralement à 5 000. La personne l'appelle, elle dit 30 000. Et que la personne n'a même pas discuté. Donc, genre, même pas discuté. Tu es une royauté et tu es dans une saison où tes ailes, je sens d'abord tes ailes, sont en train de s'activer. Tes ailes. Sorel Tindo, si tu n'es jamais venu chez moi, c'est que tu ne viens pas. Tu demandes à quel quartier, c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'es jamais venu acheter le produit. Ça veut dire que tu n'es jamais venu pour un service. Ça veut dire que tu non, mamie, ne viens pas. Oh, tu as compris, non? Ne viens pas. Tac, non. Oh, you are. Ne viens pas, toi, mamie. Si tu ne connais pas ma maison, ne viens pas. Voilà. On est là, tu reçois 200 000. 200 000 vacances. On parle des millions, tu parles de 200 000, mamie. Hein? Donc, il y en a ici, vous êtes des rois et des reines. Tu es une royauté. En passant, ceux qui sont viennent d'arriver sur mes vidéos, si vous êtes pauvre, c'est pas un direct pour les pauvres. Je n'aime pas la pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie. Je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas rester à côté des gens pauvres. Alors, la pauvreté. J'aime pas ça, j'aime pas. Voilà. Donc, je déclare en cette saison, je vois vraiment quelqu'un que tu vas devenir comme une force tranquille. Une force tranquille. Parce que tu connais ta force, tu connais ta puissance, tu connais qui tu es. Et tu ne peux pas, comment est-ce que je peux dire ça? Tu ne peux pas, tout ce que tu vas demander dans cette saison, on va te l'accorder. En fait, tu vas regretter de n'avoir pas demandé. Tu vas regretter de n'avoir pas demandé. Tu vas regretter de n'avoir pas demandé. Donc, on me dit de te dire que tes anges n'attendent que ton commandement. Ils n'attendent que ton commandement. Écoutez, écrivez ici, là, j'ordonne à mes anges de me ramener de l'argent. Allez-y. Allez-y. Et il y a aussi quelqu'un ici, on me dit de te dire que, question argent, avant, il y a des sommes d'argent que tu n'avais jamais vues. On ne fait que me faire revenir dessus. Et souvent, quand tu entendais parler de ça, tu disais, hé, hey, hé, hey, 20 millions. Hé, hey, hé. Maintenant, tu es dans une saison où, même si c'est la réunion, en fait, je vois quelqu'un qui va bouffer l'argent d'une réunion. Et quand tu vas bouffer l'argent de la réunion, là, je te dis que tu as pris un an pour accumuler l'argent là, mais ce sera maintenant ton revenu mensuel. Écrivez ici, amen. Écrivez haché. Allez, allez-y. Écrivez haché, haché. Ton revenu annuel devient maintenant ton revenu mensuel. Tu as pris un an pour cotiser 500 000. Maintenant, chaque mois, tu auras 500 000. Quand tu vas maintenant cotiser les 500 000 à chaque mois, à la fin de l'année, tu auras 3 millions. Maintenant, chaque mois, tu auras 3 millions.
Donc, tes revenus vont augmenter au jour le jour. Je vois aussi ici quelqu'un te dit depuis de te lancer en ligne. On te dit depuis de pour que les gens profitent de tes dons. Seulement par la parole, tu apaises beaucoup. Tu guéris les gens par la parole. Tu guéris les gens en les écoutant. Tu peux faire des thérapies. Tu n'as pas été à l'école, mais tu peux être thérapeute. Quand je parle, ça résonne dans ton cœur. Si ça résonne dans ton cœur maintenant, dis que moi. Tu peux guérir en fait. Oh my God, je sens tellement d'énergie en moi aujourd'hui. Et on me dit de te dire de ne plus bloquer ta puissance. Ne bloque plus ta puissance. Il y a quelqu'un ici là, tu sais que tu es censé voyager. Tu sais que tu es censé ne même plus faire une semaine pleine dans un pays. Et les gens de ton entourage, peut-être ton mari, peut-être ta femme, te faisaient croire, mais non, pourquoi tu as besoin de voyager? Tu es trop instable. On me dit en fait que tu n'es pas instable, c'est ton énergie. Il faut que tu suives ton énergie. Écrivez ici là, je suis puissante. Allez-y, je suis puissant. Je suis puissant. Ouais, quand je parle, vous sentez votre corps vibrer. Votre pouvoir d'attirance est en train de s'activer. Reine Foster, ton pouvoir d'attraction d'argent est en train de s'activer. Votre pouvoir d'attraction est en train de s'activer. Vous allez être dans une saison où on ne peut plus rien vous refuser. Donc ne dis plus que j'espère qu'on va me donner. Non, on va te donner. Tu es dans une saison où tu dois être sûr de ce que tu portes. Tu es dans une saison où tu dois être sûr de ce que tu portes, de la puissance que tu portes. On ne peut plus te dire non. On ne peut plus te refuser quelque chose. C'était avant que tu demandais, quand on disait non, non, non. Oui, madame, on sait que vous avez droit, mais c'est fini. Oh, c'est fini hier. Oh, on a arrêté de partager. Oh, on a arrêté de donner. Oh, 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 c'est fini. La force que vous ressentez en vous maintenant, il est exactement 6h00. Tu entres dans ta nouvelle puissance. 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 Avant, tu doutais. Oh, est-ce qu'on va me donner? Vraiment, j'ai déposé, j'attends pour voir si. Tu n'es plus dans le pouvoir si. Maintenant, on te donne. Tout ce que tu demandes, on te donne. Toute liste dans laquelle il y a ton nom, tu as accès à ce que tu demandes en étant sur cette liste. On te met même d'ailleurs en top, au top de la liste. On te met en tête de liste. Écris ici, je reçois. Tout ce que je demande, on me donne. Tout ce que je demande, on me donne. Tu n'es plus dans la saison où tu vas encore hésiter. Tu arrives quelque part, on demande un an de loyer. Toi, tu arrives avec 3 mois, on te donne. Après, le bailleur dit, en fait, donne-moi même 2 mois. Après, le bailleur dit, tu sais même quoi, je diminue même ton loyer. Tu es dans une saison où on te donne tout ce que tu veux et que tu demandes. Maintenant, la vibration que tu sens à l'intérieur de toi, c'est la vibration d'attraction. Tu es en train d'attirer. Et en fait, ce que tu pensais depuis, je viens m'accorder. Je suis en train de confirmer ce que tu as toujours su, mais tu hésitais, tu doutais, tu ne savais pas. Maintenant, tu es dans ta saison de réceptivité complète. Tu es dans ta saison de réceptivité complète. Écris cela, je reçois totalement et complètement ce qui me revient. Allez, écris. Je reçois totalement et complètement ce qui me revient. Écris. Je reçois totalement ce qui me revient. Allez, écris. Totalement, je reçois. Totalement, je reçois. Aucune arme qui a été forgée contre vous ne pourra prospérer à partir d'aujourd'hui. La puissance que vous sentez dans vos bras, ça attire l'argent. Je sais que vous n'avez pas cru dans le passé. Je suis là pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu attires l'argent. Tu vas aller recevoir, qui va t'appeler? Ouais, Seigneur. C'est qu'avant, tu devais souffrir, travailler pour qu'on te donne l'argent. Pour rien, on va rester, on va t'envoyer l'argent. On va rester, on va t'envoyer l'argent. Parce que, écoutez, la puissance est dans le nom de Jésus. Quand tu vois le visage de Jésus, tu prononces son nom, il y a de la puissance. Maintenant, toi, quand les gens vont commencer, oui, il y a le feu dans le creux de ta main. Oui, le syndrome des mains percées là, c'est en train d'être fermé. En train d'être fermé.
Vous savez, quand on voit ton image quelque part, c'est ton esprit qui apparaît. Quand on prononce ton nom quelque part, c'est ton esprit qui apparaît. Maintenant, quand ils vont prononcer ton nom quelque part, quand on va voir ton visage sur un formulaire, puisque les esprits connaissent maintenant, le monde de l'esprit te connaît. Le monde de l'esprit te connaît maintenant. Partout, on va mettre ton nom. On dit, ah, qu'en est-il de Jocelyne? Qu'en est-il de ceci? Ah non, donnez-lui. Qu'en est-il de Ornella? Donnez-lui. Qu'en est-il de Dave? Donnez-lui. Mariana? Donnez-lui. Mamel? Bon, donnez-lui. Qu'en est-il de Sunshine? Donnez-lui. Donnez-lui, on va commencer à te donner intensément, énormément. On va commencer à te donner. Vous savez, il y a des gens ici qui travaillent. Tu travailles, tu ne vois jamais ton argent. Tu travailles, tu ne vois jamais. Tu es dans une saison où tout le travail, d'ailleurs, ils vont accumuler ton travail que tu as fait depuis longtemps. Voilà. Écrivez ici, mon paiement est... comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on repart en arrière. Tu vois, quand la CAF peut-être devait te donner de l'argent, et puis pendant des années, tu avais droit à de l'argent, et ils ne t'ont pas donné. Maintenant, quand ils se rendent compte, ils disent que, ah, en anglais, on dit backdate. They will backdate your payment. Donc, ils vont revenir en arrière. Peut-être depuis 2019, on devait commencer à te donner de l'argent. Et tu es en 2023. Donc, ils vont faire 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc, tu auras 5 ans de paiement qu'on va repartir en arrière, compter chaque mois. Peut-être chaque mois, tu étais censé avoir 1000 euros. Donc, par an, ça fait 12 000 euros. 12 000 euros fois 5. Donc, on porte tout ça, l'envie, on te donne. On porte 60 000 euros, on te donne. Je déclare le reliquat. Merci, Chantasia. Je déclare maintenant que votre reliquat tombe dans votre main. Le rappel tombe dans votre main. Je déclare que ce rappel tombe dans votre main. Ce rappel de paiement tombe dans votre main au nom de Jésus. Écoutez, hein. Ça ne vient pas par le travail. Vous avez travaillé déjà. Il y en a ici là que vous travaillez. Vous travaillez depuis longtemps. Tu as 4 boulots. Tu as 50 services que tu offres. Mais tu n'as pas l'argent. Tu es toujours pauvre. Je déclare à partir d'aujourd'hui, comme tu m'écoutes. Comme tu m'écoutes. Bonjour Bendice. Comme tu m'écoutes. Ton reliquat ou bien ton rappel est là. Ton rappel des 20 ans, tu étais censé être millionnaire depuis 20 ans dans ta famille. On t'a bloqué. Maintenant, je vous ai toujours dit que c'est comme si on bloquait seulement en haut. Ils ne peuvent pas prendre, mais ils bloquent seulement pour que ça n'arrive pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est que chaque jour, le Seigneur envoie. Donc, c'est accumulé dans une pièce quelque part. Je déclare que tu trouves la clé pour ta pièce où on avait accumulé toutes tes bénédictions. Je déclare que tu trouves la clé. C'est pour ça que tu vas rester comme ça là. Avant, tu n'avais même pas 200 000 au mois. Maintenant, à l'espace de un an, tu vas te retrouver avec 50 millions. Parce que c'est ce que tu devais avoir depuis que tu étais jeune. Je vous active. Le lion qui en vous rugit. Le lion qui en vous rugit. J'ai une de mes filles spirituelles l'autre jour. Hier, elle me fait un message. Elle dit, j'ai payé ma dîme le week-end. Elle a payé sa dîme le week-end. En passant, ceux qui veulent payer la dîme, vous payez la dîme chez moi au numéro suivant. Orange, mot orange. 655-31-0750. 655-31-0750. Ça, c'est Orange Money. Si vous êtes à l'étranger, vous faites tap tap sen 237-655-31-0750. Donc tap tap sen 237-655-31-0750. Et le nom c'est Abbé Solo. Le nom c'est Abbé Solo. Donc elle dit ceci, elle dit qu'elle a payé sa dîme le week-end. Pendant que je parle de son histoire, on me demande de vous dire aussi que il y a des paiements que vous attendez depuis. Ça va venir tomber en vrac. Voilà. Donc elle me dit donc que. On lui a écrit le mois passé. Elle a fait beaucoup d'offrandes de sacrifices. Donc, le mois passé, on lui dit voilà, madame, il y a un rappel de paiement qu'on devait faire par rapport à votre fils. Voilà, on va vous envoyer 8000 euros. 8000 euros, hein. Donc, elle est censée recevoir 8000 euros dans ce mois de juin. Deuxième chose, le week-end, elle paye sa dîme. Hier, quelqu'un lui envoie un message. Donne-moi ton RIB, je veux te faire un virement. La personne veut lui envoyer 2000 euros. De nulle part, hein. De nulle part. Je sais que quand on parle, quand on parle, pourquoi que. De nulle part, la personne veut lui envoyer 2000 euros. Donc, elle dit que le mois-ci, elle est salariée, elle touche peut-être 1500, 2000 euros de salaire. Elle dit que le mois-ci, elle va recevoir 10 000 euros. Mon WhatsApp est en haut de la vidéo TikTok. C'est dans ma bio sur TikTok. Elle dit bien 10 000 euros. Il y a une autre l'autre jour, elle dit que voilà, sa fille, elle paie la pension de sa fille 2 700 000. Sa fille va à une école où elle paie 2 700 000. Et elle dit que
L'autre jour, quand on faisait, il remettait les résultats. L'école de sa fille lui dit, le mois prochain, l'année prochaine, quand vous revenez, vous payez seulement 900 000 francs. Donc, vous allez avoir des faveurs financières et des ajouts financiers. Donc, vos sorties d'argent vont diminuer et vos entrées d'argent vont augmenter. Allez, recevez. Vos sorties d'argent vont... Et il y a quelqu'un ici, là, tu ressens l'envie de payer certains de mes kits, tu ressens l'envie de payer certains de mes produits. Et tu dis, ah, je n'ai jamais dépensé autant d'argent sur moi-même. Mamie, sors l'argent. Tu vas voir. Il y a même quelqu'un ici, là, tu vas envoyer tes enfants, tes neveux dans mon centre. Sérieusement, je vous dis ce que tu me dis de vous dire. Tu vas envoyer tes neveux dans mon centre, mais tu hésites, tu te dis, ah, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi je dois payer autant d'argent pour mes enfants? Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Le temps pour toi où tu restais souvent, tu hésitais, tu attendais, tu n'étais pas sûr, ce temps-là est passé. Tu es dans une autre dimension de ta vie où des choses. Voilà, il y a Awa qui dit qu'on a déjà payé l'école de sa fille pour l'année prochaine. On a même déjà payé l'école de sa fille. Et il y a aussi quelqu'un ici. Tu as beaucoup hésité. Tu t'es retrouvé seul, abandonné. Et tu t'es senti mal. Parce qu'avant, quand on te quittait, on te disait, ah, c'est à cause de toi. Tu n'es pas une bonne femme. Maintenant, c'est maintenant. Tu es dans une dimension où, en fait, on me dit que tu as été isolé pour être élevé. Tu as été isolé pour être élevé. Parce que tu peux rester, ta vibration monte. Donc, il faut que tu arrêtes dès aujourd'hui de croire que ces personnes qui t'ont quitté étaient la femme de ta vie. Donc, la faveur énorme est en train de venir sur toi. Une faveur intense qui est en train d'arriver. Une faveur intense qui est en train d'arriver. Je sonne comme ça pour que la faveur, que tu reçoives ta faveur. La faveur est là. Ta faveur est là. Allez, reçois ta faveur, reçois, reçois. Reçois ta faveur. Je vois aussi que tu es dans tes pensées. Je te vois comme une pauvre fille. On me dit de te dire que de cette, tu es en train de sortir de cette attitude de pauvre. Tu es en train d'entrer maintenant dans une attitude de riche. Donc la peur est quittée. Voilà. La somme que tu dépenses par jour, la somme que tu dépenses quotidiennement va être augmentée d'un zéro. Parfois, tu dépensais 2 000 par jour, tu te dis que, ah, maintenant tu vas dépenser les 500 000 euros, les bas 500 000 euros, les chantiers que vous avez laissés depuis longtemps là, vous allez les reprendre. Et aussitôt que ça sort, le double revient. On va croire qu'en fait, tu es entré dans le fameux là. On va croire que tu es entré dans les trucs, qu'on te donne 10 millions que tu vas dépenser avant minuit là. Oui, tu arrives quelque part, tu as besoin de quelque chose. Instantanément, on te donne. Recevez instantanément. Reçois, reçois, reçois.
Écrivez ici, instantanément je reçois. Instantanément je reçois. Instantanément je reçois. Recevez, pendant que je parle, recevez les dépôts. L'autre jour, j'étais en train de prêcher. Une dame est là, elle était sur place. Et pendant que je prêche, on lui fait un transfert. On lui fait un transfert à l'instant. Et c'est là qu'elle dit, waouh, pendant que vous êtes en train de parler, on m'a fait un dépôt d'argent. On m'a fait un dépôt d'argent. Je déclare donc sur vous que vous recevez votre argent instantanément. Instantanément, vous recevez votre argent. Je viens vous fortifier. Je déclare sur vous l'abondance. Je déclare sur vous la force. Je déclare instantanément, vous recevez. Instantanément, vous recevez. On ne peut plus rien vous refuser. Tu n'as plus peur de lancer le chantier là. Tu n'as plus peur. Il y a des travaux que tu avais peur d'entamer. Parce que tu disais que ah, je vais prendre l'argent de ça où? Je déclare que tu laisses même le chantier que tu as commencé là. Tu passes sur un chantier qui est plus grand. Avant la fin de ce mois, on va même te payer le billet d'avion, tu vas commencer à voyager. Je libère ton voyage, je libère tes voyages, je déclare que tu voyages, tu vas aux quatre coins de la terre, tu vas aux quatre coins de la terre, tu vas aux quatre coins de la terre, tu vas aux quatre coins de la terre. Je déclare partout, dans tous les pays où tu as la faveur, je déclare que tu voyages, je déclare que tu voyages. Recevez le passeport diplomatique au nom de Jésus. On n'a même plus besoin de raison pour vous donner ce passeport-là. On vous donne seulement. Vous savez, l'univers veut vous bénir. L'univers veut vous bénir. Et quand l'univers veut vous bénir, vous devez être seulement. Acceptez seulement, je ne sais pas savoir comment. Acceptez seulement. Tu veux le séjour dans un pays, tu vas te retrouver avec un titre de séjour qui va te donner accès à 50 pays. Je vous le donne à cet instant. Je vous le donne à cet instant. Dans ta famille, on t'a toujours bloqué. Tu es allé en Europe, on a bloqué ton titre de séjour. Tu es allé en Europe, tu as même voulu partir en Europe plusieurs fois. Tu as voulu partir aux États-Unis plusieurs fois. On t'a bloqué. Je déclare que le visa va venir te trouver dans ta maison. Et quand il dit, oh, mamie, pardon, viens, je pars à l'ambassade, donne-moi seulement ton passeport. Je vais faire tous les papiers pour toi. Je déclare, aujourd'hui, j'enlève le blocage géographique qu'il y avait sur toi. J'enlève. Tu voyages, tu vas aller dans plus de pays que tu n'avais jamais, tu n'étais jamais parti de toute ta vie. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent voyager là, ceux qui font le tour de l'Afrique avec moi là, contactez-moi inbox s'il vous plaît. Vous avez suivi, non? On fait le tour de l'Afrique ensemble. J'enlève les blocages que vous aviez sur vous. Voilà. Je vous ai parlé de la tontine qu'on allait lancer. Donc, j'ai des personnes en inbox qui m'ont déjà demandé. Donc, il faut qu'on lance ça officiellement. On doit lancer. Lançons juste. Donc, ceux qui m'avaient contacté par rapport à la tontine, si vous écoutez ceci, relancez-moi. 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 J'ai toujours su que je ferais la tontine des gens. J'ai commencé la tontine en 2021. J'ai eu un goût amer dans la bouche à cause des personnes qui ont voulu détruire ce que j'avais construit. Et j'ai toujours dit que je serai ici. Je suis là pour une longue période. Je suis là. Je ne fuis pas. Donc vraiment, je sais que ça fait partie des choses que le Seigneur m'a appelé à faire. Et je précise que dans cette tontine, quand on se met pour économiser, on économise pour un but. Donc je vais essayer de mettre 4 budgets. Pour que les gens puissent peut-être cotiser, pour peut-être 50 000 le mois. Oui. Parce que si tu ne peux pas cotiser, si tu cotises moins de 50 000 le mois, ça ne vaut pas la peine. Il faut laisser, ma chérie. Il faut laisser. Voilà. J'ai acheté, j'ai fait une transaction avec. Un jeune homme récemment. Et le Seigneur me dit en passant que ceux qui écoutent pour la tontine, tu sens que tu dois faire. Le Seigneur me dit de te dire de prendre par la foi.
Décide-toi de cotiser par la foi. C'est ce qu'on me dit de te dire. Ok. Donc, j'ai eu récemment une transaction que j'ai fait avec un homme. Et avec l'argent que je lui ai donné, il voulait se marier depuis. Il avait sa fiancée depuis au moins 5 ans. Ils sont bloqués. L'argent que je lui ai donné a débloqué sa propre vie. À sa fin, le jour où je lui ai donné l'argent, j'ai prié sur l'argent. Il dit que ce ne sera pas un de ces argents que tu prends, tu pars, tu ne fais rien avec. Le mois prochain, quand il vient prendre le prochain paiement, il me dit, je me marie le mois prochain. 5 ans de blocage. Toute personne qui va participer à cette tontine, toute personne qui va déposer son argent, je déclare que cet argent va fructifier. Je déclare que cet argent va encore appeler même d'autres agents. Je bénis les offrandes quotidiennes que vous faites. J'ai oublié de bénir vos offrandes hier. Je bénis vos offrandes. Toutes les offrandes que vous avez faites. Il y en a qui ont envoyé beaucoup pour quelques jours. Il y a des gens qui ont envoyé. Il y en a qui ont envoyé peut-être 50 000. Certains ont envoyé. Je crois qu'il y a quelques 50. J'ai envoyé 1 000 francs. Donc je suppose que c'est quotidien. Donc, c'est pas les offrandes ont varié. J'ai dit, vous, si tu es dans un pays où c'est difficile pour toi pour envoyer de l'argent, tu peux envoyer en une fois ou en deux fois. Ou bien, mais ne rate pas. Ou encore, ce que tu peux faire, là où tu es là, tu prends une caisse. Chaque jour, tu mets dedans, tu mets. Peut-être après 20-30 jours, tu casses ta caisse, tu envoies l'argent. Mais tu sais que chaque jour, en déposant l'argent, tu as prié dessus. Chaque jour, en déposant l'argent, tu as prié dessus. Voilà. Vos finances vont être transformées. Personne ne peut être impliqué financièrement. Si elle donne l'argent à quelqu'un, il est béni. Combien de fois? Et j'achète quelque chose chez lui, hein, c'est pas que je donnais seulement pour donner. Si je peux acheter un truc à quelqu'un, j'achète un service chez quelqu'un et la personne est bénie. Combien de fois si toi tu viens donner dans mon ministère? Je viens vous débloquer, je débloque. Je parle lentement. Non, non, docteur, fais ça. Je parle comme je parle. Si tu ne m'entends pas, c'est pas. Laisse. T'as compris? Je trouve que je parle très lentement aujourd'hui. Je parle très lentement aujourd'hui. Donc si je ne me comprends pas, il faut laisser. Il y a mon numéro dans la bio. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous. Regarde dans ma bio, la bio de TikTok. Tu vas voir le lien WhatsApp. J'ai lancé le challenge de faire des offrandes quotidiennes. Parce que je veux que tu entres dans la dimension où tu vois l'argent entrer dans ta main chaque jour. Tu vois l'argent entrer dans ta main chaque jour. Voilà Maëlys même qui dit elle-même qu'elle a remarqué que je ne parle pas rapidement. Donc si tu trouves qu'elle parle lentement, rapidement, parce que les jours, elle vient ici, elle rappe seulement. Aujourd'hui, elle ne rappe pas, papa. Je déclare sur vous une onction qui attire. Et je déclare que votre argent va augmenter. Vous allez recevoir de l'argent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tout c'est la foi. Quand tu dis que ta volonté se matérialise, tout c'est la foi. Je parlais avec une jeune fille récemment qui disait. Merci. La jeune fille disait qu'elle veut déménager pour aller dans une autre ville. Là, je demande pourquoi tu ne le fais pas. Tout c'est le courage, c'est tout. Tout c'est le courage. Je te lève, tu dis je pars. Est-ce que tu dois prier pour manger? Est-ce que tu dois prier pour aller faire les vaisselles? Est-ce que tu dois prier pour pisser? Est-ce que tu pries pour que ton cœur batte? Ceux qui sont les aliens là, touche. Touche un peu, tu me dis si ton cœur bat. Ça bat, non? Pourquoi tu penses que tu dois prier pour que l'argent vienne? Argent vient! Argent vient!
bénis vos finances. Je bénis vos finances. Écoutez, moi, je sais que Dieu m'a appelé pour aider les gens à découvrir leur mission de vie. Et il m'a appelé à rendre les gens riches. Voilà ma part qu'il connaît. Tout le reste est là. Je sais aussi que je suis experte pour briser les malédictions générationnelles. Les malédictions familiales, là, ça, c'est ma part là-bas. Et c'est prendre les scorpions familiaux là. C'est pour ça que quand vous prenez beaucoup de mes kits, vous voyez toujours que j'ai un monsieur, je rencontre hier, et là il me dit que il est tombé sur YouTube comme ça sur mes vidéos par hasard. Et quand il commence à regarder, il se dit un jour, bon, il n'y a pas de prix minimum. Pourquoi tu ne demandes pas le prix maximum pour les offrandes? Pourquoi vous voulez toujours aller dans le minimum pour les choses? Il me dit, mais il me demande le montant minimum de l'offrande. Pourquoi vous ne pouvez jamais aussi aller dans le maximum? Pourquoi tout vous devez toujours faire que non, il faut qu'on diminue le prix. Ça doit être... Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas trop discuter les prix des choses. Je n'aime pas discuter les prix des choses. Mais pour vous, il faut toujours que vos choses soient toujours... Faites-vous le mini, 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 mini. Rentrez dans l'abondance. Donc le monsieur me dit que le premier jour, il a fait le bain de pipi. Vous connaissez les Thomas sinon. Que vous voulez voir, que je veux voir ce que la femme a dit avant de croire. Premier jour, il fait le bain de pipi. Il rêve qu'il est en train d'étrangler son oncle dans le rêve. Et là, il est en train de serrer son cœur, son corps, son cou, pardon. Il dit, voilà. Je sors d'ici, je me débarrasse de toi, c'est fini, tu n'as plus d'emprise sur moi. Il dit que, gars, quand il s'est réveillé, il a confirmé le code. Et effectivement, son père est mort très tôt. C'est déjà de Oncle Con là qui a tué son frère pour avoir les terrains du père et tout ça là. Et il a dû bloquer l'enfant, qui est le jeune homme qui a fait le bain de pipi. J'enlève le doute de votre esprit. Tous les scepticons que vous avez dans votre entourage, dans votre famille, dans votre quotidien, qui est là avec pour but de vous bloquer, qui est là avec pour but de prendre votre argent. Tout argent que tu as perdu dans une relation, je déclare que cet argent t'est multiplié et cela te revient. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun argent que tu as semé dans mon ministère ne te soit retourné. Tout ce que tu as semé, j'ajoute 2 zéros sur ça, je te rends ça dans un mois maximum. Tu as découpé le zizi de quelqu'un dans le rêve. Ton mari qui venait souvent pour la nuit pour faire l'amour avec toi, là, il va lire le... Finir les couches de nuit, comme tu as dit là. Bonjour le roi Nestor. Certains d'entre vous, vous allez être très fatigués. Vous aurez envie de dormir. Vous aurez beaucoup l'envie de dormir. Peut-être on va finir direct comme ça, je vais aller te coucher dormir. Ça, c'est pour refortifier ton corps. Il y a quelqu'un qui a décidé de passer à ton propre compte depuis des mois. Tu ne le fais pas. C'est aussi qui me bénisse. Je reçois vos bénédictions. Merci. Certains d'entre vous, on est en train de vous opérer. On est en train de vous opérer. On est en train de changer ce qui se trouve à l'intérieur de vous.
qui suis-je? Je suis Queen of Africa, une reine qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. Demande à tes guides. Tu sais qu'un roi ou une reine a toujours de l'assistance divine. Tu as tes animaux spirituels, tu as tes guides, tu as tes anges, tu as tes ancêtres, beaucoup. Donc, venez me demander si c'est le moment pour toi de chercher un boulot. Voilà, tu étais au bloc avec la chirurgienne. Maëlys James dit que si vous pensez à abandonner un jour, pensez à nous. Le Seigneur vous donnera toujours la force. J'ai perdu mon bébé, ça fait 2 mois. Et vous n'avez pas su, non? C'est quand je me suis remise que je vous ai dit. Si je peux me mettre sur mon lit d'hôpital et puis parler en sachant que j'ai perdu mon enfant, combien de fois c'est pas mon appel, ça ne vient pas de vous. J'ai une capacité à accomplir ma mission de vie. Je ne vous dérange pas. Parce que le Seigneur me donne la force, c'est lui qui me donne la force. Vous suivez, non? Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent que quand tu acceptes cette chose, cette mission, tu deviens un vaisseau. Et la puissance qu'on met en toi, c'est une autre dimension de puissance. Tu ne fonctionnes plus en regardant les visages des gens, mais tu vibres à une autre dimension. Donc, je vous ai dit qu'on va faire le service. D'ailleurs, pour le service, comme une sorte de service d'accompagnement, ce sera mettre l'action de grâce. Ce sera le 1er juillet à Douala. Donc, à la mémoire de mon fils. Voilà. Donc, ce sera le 1er juillet. Je vous invite, si vous pouvez, vous venez à Douala. Ok? Je vais vous accueillir pour ça. Et par la même occasion, on fera un service pour tous les gens qui ont perdu des défunts et tout ça. Là, vous donnez leur nom. Pendant le service, on va lire. Et puis après, ça, on va faire un grand salaka. Voilà. OK. Donc, vous devez comprendre que quand il y a une certaine dimension de vibration dans laquelle, quand vous arrivez, on ne peut plus vous toucher. On ne peut plus vous toucher. OK. Et vous allez comprendre que la douleur n'a plus le même sens que les gens pensent. Le mot douleur n'est même plus douleur. Parce que non seulement tu prospères, mais même à l'intérieur, tu es supporté. Je vous assure, quand j'ai vu la main de Dieu sur moi pendant cette période de ma vie, je ne savais déjà pas ce que c'est que de perdre un enfant. Deuxième chose, ma mère est morte, je n'ai pas pleuré. J'ai appelé les gens dans ma vie, mes grands-parents, ma mère. Mais de perdre mon enfant, pour moi, je croyais que, comme annoncé, je croyais que j'allais mourir. Mais les jours qui ont suivi, comment Dieu m'a soutenu. Oh, oh! Je ne savais pas. Donc, le Seigneur, c'est un truc que j'ai compris, c'est que tu arrives à un point de ta vie où ce que les gens pensent que ça va te faire tomber, c'est en fait ton trampoline ou bien ton pied, ton podium, voilà. C'est ton podium pour que tu te soulèves, pour que tu t'élèves. Vous êtes dans une dimension où on ne peut plus vous faire quelque chose de mal. Bon anniversaire, Ruti. On ne peut plus vous faire de mal. Tu ne peux plus chuter. Tu ne peux plus tomber. Oh, tu ne peux plus tomber. Maintenant, quand tu ne peux plus tomber, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux que monter. Tu ne peux que monter.
Waouh, tu avais dit que si un de tes enfants partait, tu allais mourir avec lui. Je sais que tu as récemment perdu ton premier fils, oui. Je crois que son nom, il fera partie aussi du service. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que toutes ces personnes qui partent, vous savez que les morts ne sont pas morts, vous le savez déjà. Vous savez ça, non? Voilà. Normalement, de là-bas, il y a une force, une autre force qu'il nous donne. Il y a une autre protection qu'il nous donne. Et c'est une chose qu'ils ne veulent pas, c'est que vous restiez et que vous pleurez tous les jours. Sérieusement, quand tu m'avais annoncé, la nuit où tu m'avais annoncé, je me rappelle, la nuit où tu m'avais annoncé, je crois qu'on a perdu nos deux enfants à l'écart de peut-être 2 semaines ou 3 semaines. La nuit où tu m'as annoncé que tu as perdu ton enfant, je me demandais, Seigneur, comment est-ce que cette femme va faire pour traverser cette douleur? Comment elle va faire pour traverser cette douleur? Et je me rappelle quand tu m'avais appelé, ça devait être, tu m'as appelé peut-être 1 ou 2 heures après qu'on t'ait dit. Quand je t'ai entendu au téléphone, ça m'a déchiré le cœur. Je ne savais même pas ce que je pouvais te dire. Mais j'ai compris un truc. Le Seigneur parfois nous donne les épreuves. Et à travers les épreuves, on croit que tu vas tomber. Mais c'est dans ça que tu crois que c'est là que tu commences à comprendre la main de Dieu. Tu vois comment il te soulève. Il te soulève sur ses ailes. Où est le psaume 91? C'est dans cette période de ma vie que j'ai compris que le psaume 91, ce n'est pas de la blague. Ces anges te portent. Parce qu'il y a des douleurs que tu traverses. Après, tu te dis que est-ce que c'est moi qui ai traversé ça? Est-ce que c'est moi qui ai traversé ça? Mais oui. Après, tu vas ressentir le Seigneur, mais la joie dans ton cœur seul. Tu vas commencer à chanter. Quelqu'un te dit que tu ne dois pas chanter, tu as deuil. Ah, oh, désolé. Voilà, donc il faut que vous sachiez qu'il y a une autre dimension dans laquelle tu arrives que. Je sais que les gens ne croient peut-être pas. Mais je veux que tu acceptes ça dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Accepte ça dans ta vie. Je sens quelqu'un que tu es en train de renaître de tes cendres. En fait, quand on t'a frappé, il savait que, comment la laisser à terre, c'est une faible femme. Hein? Elle est faible, elle ne peut pas. Écrivez-y, ha ha ha. Écrivez, ha ha ha. Écrivez, ha ha ha. Parce que, on me dit de te dire que. Le Genèse 50, verset 20. Écoutez, écoutez. En fait, ils n'auraient même pas dû te toucher, ces gens-là. Ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû te laisser dans ton ancienne situation parce que ton ancienne situation ne donnait pas une excuse à Dieu pour t'élever. Genèse 50, verset 20. Là, c'est la parole de quelqu'un. Vous aviez médité de me faire du mal, moi, Jocelyne. Oh, que tes jumeaux reposent en paix. C'est ça. Nous les bénissons, les petits anges. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Écrivez cela. Dieu l'a changé en bien. Je déclare que tout ce qu'on a lancé comme flèche sur toi. Ah, on a pris ses clients. On va voir comment elle va s'en sortir. Des clients plus riches viennent. On a gâté son mariage. Comment on va comment sortir? Un gars plus riche, plus beau. Un chocolat. Yeah! Le chocolat. Vous avez dit que je ne parlais pas vite, hein? C'est bon, je vais commencer à me lever maintenant pour parler. Le chocolat, recevez, recevez. Ouais. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et pas seulement pour vous. Pas seulement pour vous. Oh my God. Je ne voulais pas me réveiller. Vous voilà maintenant. Pas seulement pour vous. Dieu l'a fait pour quoi ou pour qui? Pas seulement pour vous. Allez, sonnez la cloche, sonnez la cloche, sonnez la cloche. Sonnez la cloche, sonnez la cloche.
Sonnez la cloche, sonnez la cloche, sonnez la cloche. Sonnez la cloche, oh. Dieu l'a fait pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ma chérie, on t'a sorti de ta douleur. On t'a sorti de ce que tu avais planifié pour toi, hein? Pour que tu sauves la vie à beaucoup d'autres personnes. Je déclare que quotidiennement, des milliers de personnes vont remercier Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Recevez, recevez. Quotidiennement, les gens vont s'asseoir. 1500 personnes, 5000 personnes vont s'asseoir. Eh, Seigneur, merci pour la vie de Jocelyne. Eh, Seigneur, merci. Je la bénis. Et plus ils vont recevoir, plus ils vont te bénir. Plus ils vont te bénir, plus ils vont augmenter. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez. Vous aviez médité de me faire du mal. Le ha ha était nécessaire entre les deux passages, ok? Vous aviez médité de me faire du mal. Enfant pour que tu restes à terre. Oh ma chérie, les jumeaux arrivent. Ils ont tué ton enfant pour que tu restes à terre. Oh ma chérie, les jumeaux arrivent. On a gâté ton mariage pour que tu restes seule. Oh ma chérie, je te dis que un chocolat bien plus beau, milliardaire, est en train de venir vers toi au nom de Jésus. Ils ont bloqué. Maintenant que tu te réveilles, la vraie toi est en train de se réveiller maintenant. Tu ne vivais pas avant, ma chérie. Tu ne vivais pas avant. Tu ne te connaissais pas avant, ma chérie. Voilà la vraie toi. Tu es en train de te réveiller maintenant. Je réveille la lion qui est en toi. Je réveille le lion qui est en toi. Je réveille le lion qui est en toi. Avant, on te voyait comme une antilope. On te voyait comme un chaton. On te voyait comme un petit chat. Maintenant, tu es un lion. Le lion qui est en toi se réveille. La lionne qui est en toi se réveille. La lionne qui est en toi se réveille. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Vous aviez médité de me faire du mal. Ha ha ha. N'oubliez pas ha ha, Suzanne. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Votre saison est là. Ce n'est pas demain, hein. Ce n'est pas dans 3 ans. C'est maintenant. Recevez, recevez. Maintenant, maintenant, recevez maintenant. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Les gens vont rester, vont dire, ah Jocelyne, merci pour ta vie. Ah Jocelyne, si tu n'étais pas là. Vous pouvez savoir le nombre de messages quotidiens que je reçois. Les messages quotidiens de remerciement. Tu as changé. Il y a les gens qui te faisaient peur avant là. Quand tu vas à la prochaine réunion familiale, tu arrives comme une lionne. Ta tante Decepticon là qui mangeait tous les gens dans la famille, qui donnait tous les gens dans la sorcellerie, elle te voit, elle fuit seulement. Ta saison est là. Tu marches avec une onction autour de toi. Autour de toi, une onction autour de toi. Quand tu passes, on dit waouh, ne t'amuse pas avec la femme là. Ne t'amuse pas avec la femme là. Non, elle ne blague pas avec elle. You don't get the time for the hate, for the blame. For my mind on my money. Oh, l'argent!
L'argent, oh! L'argent, cap. L'argent. L'argent. Mais la fille a été inspirée. Tu fais une chanson, tu dis seulement que l'argent est dans l'argent, l'argent, l'argent. Tu comprends pourquoi l'argent a justement venu après. Toutes les peurs que tu avais dans ton esprit, la peur de t'enrichir, c'est quitté donc. Moi, je dis toujours, je ne suis pas pauvre et je ne veux pas les followers qui sont pauvres. Si tu sais que tu es encore pauvre, lave-toi avec le sel. I don't like poverty. Poverty no be good. Quand tu es pauvre, on se moque de toi. Oh, merci pour les lunettes. Je trouve que ça me va bien, tes lunettes. Pauvreté n'est pas bien. Et dit qu'on ne va plus vous reconnaître. On ne va plus vous reconnaître. Le Seigneur m'a dit avant-hier, je ne sais pas, j'aime bien ça. J'aime recevoir et partager. Et là, il me dit, avant, quand il y avait il fallait seulement faire un concours pour arriver à la CIA TV. Est-ce qu'on regarde encore la CIA TV aujourd'hui? Est-ce que la CIA TV donne l'argent? Bonjour Larry, comment tu vas? La reine Larry. Et là, le Seigneur me dit, il y a des gens qu'avant, ils devaient aller supplier ou ils devaient connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour qu'on les fasse passer à la télé. Nous sommes maintenant dans une ère différente. Tout le monde peut maintenant devenir célébrité. Tout le monde peut devenir riche. Roger, si tu souffres, sors de mon direct. Mon direct, ce n'est pas pour les gens qui souffrent. Tu as compris? Vous suivez? Que tout le monde, écrivez ici, je suis riche. Tu as grandi, tu voyais vos voisins avaient la voiture, vous partiez chez eux, regardez la télé. Maintenant, tu te dis, ah, hé, ma chérie, tu auras cinq télés chez toi. J'ai visité quelqu'un hier, et là, je crois qu'il devait avoir vu comme 70 dans son salon. Je me suis dit, intéressant, intéressant, intéressant. Mais Sherlock Holmes, intéressant, intéressant. Il y a eu un moment, je voulais m'avoir le projecteur carrément à la maison. Parce que je me disais, le projecteur, ce n'est que ça qui peut me donner la 70, même là, ce ne sera pas assez. Ouais. Intéressant. Mais ça avait un bon baffle JBL là. Parce que le volume de la télé, là, ne sera pas assez. Aimer l'argent. Jésus est venu pour te sauver, pour que tu sois humble et pauvre. Le Seigneur m'a dit que tout le monde peut devenir une star. Tu peux être ici comme ça là que tous mes abonnés ont aussi, même eux-mêmes, 100 000 abonnés. Qui a dit qu'on doit toujours avoir des gens qui sont pauvres, d'autres sont riches en haut, d'autres sont. Nawati. Je suis une star, vous devez être des stars. Je suis belle, vous devez être belle. Vous avez vu les boutons sur mon visage? Pardon, il faut acheter la couronne de ta fille. Oh. Achète sa couronne. Vous empêchez à vos enfants d'être les princesses. Hey.
L'argent vient toujours avec la joie. 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 Je vois aussi quelqu'un, on a essayé de te bloquer. Tu as toujours su que tu es censé avoir des business qui sont partout. Amen, que le monde est équilibré. Hey, pardon, attends, t'enlèves sur ma page, Amen. Let me remove you. Oh. Let me remove you. Oh. I'm not looking for everybody to be on my page. Oh. Je ne cherche pas tout le monde sur ma page. Oh. Oui, tu n'as pas la joie, je t'enlève. Oh. Je t'enlève. Oh. Vous avez fui les commentaires sur ma page. Vous n'avez pas commenté sur ma page. Tu commentes et tu bloques. Voilà. Et quand tu n'as pas la joie, tu peux chercher la joie. Je tape danser. Allez, danser. L'argent vient toujours avec la joie. Allez. L'argent vient toujours avec la joie. L'argent vient toujours avec la joie. Et l'argent vient toujours avec la joie. Wouh! Ha! Si vous saviez le. Comme la petite danse que vous êtes en train de faire là. Si vous savez comment c'est en train de venir. C'est en train de venir. Allez! L'argent vient toujours avec la joie. L'argent vient toujours avec la joie. Les gens riches ne sont pas tristes. Les gens riches ne sont pas tristes. L'argent vient toujours avec la joie. Je vais devenir DJ. Je vais devenir DJ. Ça, c'est intéressant. Intéressant, intéressant. Je découvre des talents en moi chaque jour. Je sens qu'il vient de recevoir même 2 millions là. Même 5 millions. Hein. Peut-être 10. Peut-être 15. Non, 25. Et si on visait 100 millions? L'argent vient toujours avec l'argent. L'argent vient toujours avec l'argent. Ça me plaît. Ça a le goût. Mais attendez, je vais faire un voice, je vais mettre dans le truc. L'argent vient toujours avec l'argent. L'argent vient toujours avec l'argent. Ma carrière de DJ commence aujourd'hui. Moi, je vais m'appeler DJ l'argent. Parce qu'il doit encore avoir l'argent sur ça. DJ l'argent, voilà. DJ l'argent. L'argent vient toujours avec la joie. L'argent vient toujours avec la joie. Hey! Ça me plaît parce que j'ai pas envie d'arrêter. Oh Seigneur. Recevez, recevez, recevez. Sentez la puissance dans vos mains. Sentez la puissance dans vos mains. C'est là que généralement l'argent. La puissance de l'argent vient généralement ici. Et là. Oui, vous avez entendu DJ Argent. Non, c'est vrai DJ, parce que je veux faire danser les gens. J'anime et je fais aussi danser les gens. Tu vois pas, souvent, quand avant, tu étais souvent triste pour certaines choses, tu restes en train de dire que oui, mais dans cette saison de ta vie, il n'y aura plus de mais. Il n'y aura plus de mais. Tu restes en train de dire zen.
Ah, donc tu as un chocolat qui vient te draguer hier. Il a fait comme si tu venais acheter les habits de sa mère. Après, il te dit que c'est toi qu'il veut. Il voulait te donner l'argent sans prendre les habits, tu as refusé. Après, tu sors pour aller aux toilettes, tu viens trouver une palette d'eau dans la boutique. On te donne l'argent, tu refuses. Je prophétise sur vous ici le matin qu'on va vous donner l'argent pour rire. Un homme vient te dire qu'il vient vous te draguer. Et les femmes, c'est là, vous-même là. Tu es comme la personne qui était dans l'eau, sur son île, qui voulait se noyer. Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Dieu envoie l'hélicoptère. Il dit non, j'attends que Dieu me sauve. Après, Dieu envoie quelqu'un avec le bateau. Non, j'attends que Dieu me sauve. Dans la journée, quelqu'un vient dans ta boutique. Il fait comme s'il vient acheter quelque chose. Alors qu'en fait, il venait te draguer. Finalement, quand il découvre, il te dit que non, bon, c'est toi qui veux. Je peux me donner l'argent sans que tu ne me donnes rien. Hein? Tu refuses. Tu es folle. Viens te gifler. Viens te gifler. Viens te gifler. Mais il y a on peut donner l'argent pour rien. Hey, l'argent. Non, ma vie a commencé à changer quand j'ai commencé à accepter que, en fait, quelqu'un peut me regarder en ligne, il aime seulement mon sourire. Genre, je vais en faire un. Je veux de l'argent à fils. Scott, elle veut que Dieu descende pour lui donner l'argent. Hein? Oh my God. Tu vas attendre Dieu là longtemps, hein, ma vie. Parce que Dieu ne se manifeste qu'à travers les gens. Dieu ne se manifeste qu'à travers. Si Dieu veut te parler, il envoie une personne pour te parler. Si Dieu veut te donner quelque chose, il envoie quelqu'un te donner, non. Après, tu dis merci Seigneur, mais c'est quelqu'un, c'est passé dans la main de quelqu'un, non. Arrêtez tout d'attendre que ça sorte du ciel. Que tu vois un nuage se transformer en une voiture, en une Range Rover, ça tombe devant ta. Tu dis waouh, je marchais, je suis arrivé au rond-point petit pays. Après, je me suis dit, il faut que je prenne la route qui part à Makerpem, Missoké. Après, quand je marchais, j'ai vu comment une voiture atterrit. Après, je me suis dit, waouh, tu sors d'où, voiture? Et la voiture a dit, c'est le Seigneur qui m'envoie. Après, la portière s'est ouverte. Après, je suis entrée. En fait, la voiture se conduisait toute seule. Oui, en fait, mais arrêtez. Hein? Et c'est comme ça que j'ai eu ma voiture. Je viens témoigner, merci Seigneur, pour ma Range Rover qui est tombée du ciel. Merci Seigneur. Je les filme dans ma tête. J'aime les films dans ma tête. De chanter de tout ce qui est ça dans mon esprit. Wow! En tout cas, on a bien commencé la journée, non? Je déclare aujourd'hui que tout ce qui a commencé ce matin ne partira pas. Tout ce que vous avez commencé à voir.
Tu sais que je m'écris en inverse. Hey. Tu te vantes. Hey, Gloria, tu crois que tu parles avec ici? Tu me demandes le modèle de mon habit. Jusqu'à tu me dis que je dois me lever. Moi, qui là-bas? C'est poli comme ça de TikTok. Tu sais même qui je suis. Ah, Seigneur. TikTok a mélangé les gens. Donc vous pensez que la joie, c'est là que vous pouvez prendre ça? Vous pensez ça? Merci Noël. Hey! Ton fils chante déjà. Hein? Ah! L'argent vient toujours avec la joie. 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 Vous savez, je vais entrer en studio, je vais chanter la chanson aussi. Je me demande bien ce qu'on va, ils vont mettre au milieu, mais il faut qu'on chante ça. L'argent vient toujours avec la joie. L'argent vient toujours avec la joie. Tu chantes ça pendant 3 minutes. Et il met les beats derrière. Après, l'argent vient toujours avec la joie. L'argent vient toujours avec la joie. L'argent vient toujours avec. Recevez, 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 recevez. Écrivez. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Allez. Je reçois, je reçois, je reçois. Je suis une ancienne choriste. Hein? Ha, aïe. Pardon, demande qu'on me mixe ça aujourd'hui. J'ai posé ma voix sur ça. Pardon. Je me vois derrière toi, c'est ça. Après, on tape les assiettes, ça. L'argent vient toujours avec la joie. Recevez, 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 recevez. Tu mets ça le matin comme ça, 6h00. Tu tapes ça une pendant 1 heure. Tu arrives aux en parlant à je sais pas, tes collaborateurs, tes investisseurs. On entend de signer le contrat de 500 millions. L'argent vient toujours avec la joie. Quand tu signes le contrat, quand tu pars à la banque pour retirer ton argent comme ça. L'argent vient toujours avec la joie en tant que sonnerie. L'argent vient toujours avec la joie. L'argent vient toujours avec la joie. Tu as vu quelqu'un qui a l'argent, il est triste. Hein? À moins que ce soit l'argent d'une autre personne. Hein? Pas déjà qu'on te fleure le dépôt de 500 000. Après, on dit que donne à la mère. Que donne à la mère, c'est pour la mère. J'ai oublié de te dire, c'est pour la mère. Tu reçois la parce que c'est pour la mère. Tu quittes de sourire à tristesse. Je déclare l'abondance sur vous. Abondance. Ton frère te fait toujours ça. Il dépose l'argent dans ton compte, après il dit que c'est pour la mère. Je vais demander à ma soeur Didier de mixer ça aujourd'hui. L'argent vient toujours avec la joie. Je vais demander qu'elle mixe ça aujourd'hui, vraiment. La chanson, là, ça doit sortir. On doit la voir quand ça ressemble aujourd'hui. Là. Ouais, Seigneur. Qui dans mon inbox est nous, là? Il faut qu'elle ajoute recevez, recevez. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on ferait face à toi? Ou qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on deviendrait sans Jésus?
que cette joie-ci, toi, ton voisin qui ne t'aime pas là, il déclare que tu reçois l'argent pour déménager de l'endroit là. Ta joie doit être constante toute la journée. Tu dois pas avoir un moment de la journée où ta joie descend, après ça fait comme ça, après ça part, bah, ça, après ça fait. Je déclare la joie parfaite sur toi. Tous vos décepticons-là, quand ils vont vouloir toucher à votre joie ce matin, tu dis jamais. En fait, tu danses même, l'argent vient toujours avec la joie devant lui. Ouais, voilà, regarde, tu as séché sur ma corde, pourquoi? Tu as utilisé ma corde. Voilà, j'ai laissé mon savon aussi hier. L'argent vient toujours avec la joie. Parce que c'est leur travail. Ils te guettent. Dès qu'ils entendent ta porte, tu ouvres la porte. Il faut d'ailleurs mettre l'huile sur les pommettes de cette porte-là. Il faut plus avoir les portes qui craquent comme ça là. C'est la porte des pauvres qui fait les bruits. En passant, c'est la porte des pauvres qui fait les bruits. Dès qu'en temps tu sors, 30 secondes plus tard, elle est dehors. Dès que tu entends sortir, ils ont dit, oh non. Oui, j'étais cherché le plusieurs. Aujourd'hui, là, ils ont menti. On ne te mettra plus mal à l'aise. On ne te mettra plus mal à l'aise. Oui. Vous partez vivre dans votre propre appartement. Quitter à côté des gens. Ils ont tout pris, Erika. Peut-être on veut que tu fasses un autre business. C'est une nouvelle direction que Dieu te donne. Bon, passez une bonne journée. Il faut que j'y aille. J'ai beaucoup de petites choses à faire ce matin. Ceux qui ont, je suis censée consulter. Hier, je n'ai absolument pas consulté parce que j'étais quite busy yesterday. So I didn't, je n'ai pas consulté hier. Donc, je dois finir d'abord les lavages parce que j'ai commencé le lavage hier. Oui, c'est la porte des pauvres qui fait les bruits. This is no joke. C'est vrai. Prends un peu d'huile d'arachide, tu vas mettre la chose qui fait que la porte tourne là, tu mets un peu dessus, une goutte, tu pousses, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, l'huile va rentrer dans les trucs là. Ça va arrêter de faire du bruit. Je déclare que votre puissance est inégalable aujourd'hui. Votre puissance est inégalable aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas vous tester. On ne peut pas vous tester. Hier, tu as eu 50 000, aujourd'hui tu vas avoir 100 000 au-dessus des 50 000 encore. Donc, chaque jour, l'argent va entrer dans votre poche. J'ai dit quoi? Chaque jour, commencez à imposer ça, exiger ça de l'univers. Seigneur, la reine, je sais, a dit que je dois avoir l'argent chaque jour. Tu vas avoir un jour, 2 jours, 7 jours, 2 semaines. Hey, je commence à avoir l'argent tous les jours. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Madre de Dios. Bon, voilà mon voice. L'argent vient toujours avec la joie. 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 L'argent vient toujours avec recevez, 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 recevez. Voilà, il t'a envoyé le voice pour mixer. Exigez, l'argent touche tous tes comptes. PayPal, Orange Money, UBA, African Northwest. HSBC, Crédit Agricole, Société Générale, peu importe là où on a mis ton nom dans une banque. Et bientôt tu vas mettre aussi ma banque. Donc on commence la tontine le 1er juillet. Ceux qui sont intéressés, vous envoyez le message, on vous met dans le groupe. On vous met dans le groupe. Voilà.
On vous met dans le groupe de la tontine. Votre bonne humeur, personne ne va toucher ça. Personne. Arrêtez de me demander comment ça se passe à Tontine. Vous aimez trop ça. Tu es intéressé, tu écris en inbox. On te met dans le groupe. Voilà. Pendant qu'on décide des sommes qu'on va cotiser. Mais je sais que ça va commencer le 1er juillet. Voilà. Ça, au moins, c'est sûr. Je crois qu'on va mettre le 5. Non, le 6. Parce que c'est que les gens en France. Il y a des gens chez qui on paye le 5. Donc, on va mettre le 6 juillet. On commence le 6 juillet. Voilà. Le 6, c'est une date assez aléatoire et bien. 6 juillet. La joie, la joie, j'aime la joie. L'argent vient toujours avec la joie. L'argent aime la joie. En fait, quand l'argent arrive, il y a le bonheur ici là. Allez, venez, venez. L'argent vient toujours avec la joie. Si on fait la vidéo, je crois qu'on va, on va prendre quelqu'un qui va porter un truc, un nounous, je sais pas, un habit d'argent. Et puis on le fait entrer. Il arrive quelque part, il dit qu'il y a la fête ici. Il appelle les gens. Venez, venez. Les autres agents viennent. Quelqu'un est en train de m'écrire que DJ agent, bonjour. Avec vos petites têtes. We don't get the time for the hate and the blame. Lay my mind on my money. Steady my life, broccoli. Hey! 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 Non, vous savez quoi? Laissez-moi, j'ai trop envie de chanter ce matin. Pardon, laissez-moi, bye. Hey! C'est quoi ça? Mince. Je reste ce que la chanson qui vient dans mon esprit. Ça veut dire que la dimension d'argent qui va encore venir aujourd'hui là. Ça, ce sont les signes. Quand il reste Dieu, je n'y crois pas. Je n'ai pas fait le direct à 18h. Ceux qui jeûnent et qui sont dans la page avec nous, à 18h, on a fait un zoom. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Va sur Facebook, tu vas voir. Je crois que j'ai fait un direct sur Facebook hier. Je sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Mais je crois que j'ai fait le voice. Ceux qui jeûnent avec nous, allez dans le groupe. Si tu n'es pas dans le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, c'est là-bas que j'envoie le lien. Il y a un nouveau groupe pour le jeûne. On est parti pour 40 jours. Donc 6h, 12h, 18h. 40 jours. Voilà. Bonne journée, oh. TikTok, bonne journée. Voilà, il y a eu le voice. Super. J'ai envie de teinter mes cheveux en jaune. Hein. J'ai envie de faire des bouches jaunes comme ça. Bien jaune. Là, c'est marrant. J'aime bien. Teinter encore en jaune. Je veux avoir les cheveux de feu. Les antennes de feu. Bon, bye bye.